Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon quart de finale avec mon hybride portugaise, argentine et boost. Donc, on est parti pour les quarts de finale. Donc, j'ai eu quelques soucis, disons que je suis arrivé en finale et que mes deux captures ont buggé. Donc, j'ai dû recommencer la compétition. Donc là, on va jouer contre une équipe, je vais vous le dire avant qu'elle s'affiche, puisqu'elle va pas s'afficher longtemps. Une équipe avec un Totti tout devant, qui joue en Chine, je pense. Mais sinon, une équipe de base italienne, donc qui joue en Serie A ou bien d'équipe italienne. Donc voilà. Aussi, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour mes 200 abonnés. C'est vraiment fantastique, franchement. Vous voyez l'équipe là avec Balotelli, Fabrizio Miccoli, De Rossi, Pirlo et tout ça. Donc merci beaucoup à mes 200 abonnés et OnlyFIFA n'y est pas pour rien. Donc on commence directement à la première minute. Donc je garde un petit peu le ballon, je fais un petit peu tourner. Aujourd'hui, il y a des joueurs de mon équipe qui vont faire des très grands matchs. Donc Gomez qui s'avance, qui tire et une frappe qui est un tout petit peu à côté. Mais bon, c'est voilà, je me mets dans le match tout petit à petit et je vais vous dire, c'est un match de dingue qui vous attend. Là, c'est vraiment un match de fou. Je crois que c'est mon meilleur match pour l'instant. Même si les deux matchs que je suis arrivé en finale étaient pas mal non plus. Là, le tir encore une fois de Gomez et un petit corner. Mais vous avez vu le contrôle orienté magnifique. Après, João Moutinho pour le corner. Corner qui est repris par Lavezzi. Puis là, il y a un petit concours de tête. Je sais pas qui va le plus haut. Bugs Bunny, je tire à côté. Encore une fois, donc c'est 0-0 à la 10e minute. Donc voilà, un match qui commence tout doucement en favori. Je pars favori. Là, un mauvais contrôle de mon adversaire. Une passe en profondeur pour Slavio. Slavio qui va placer tout simplement une petite frappe. Très très simple, donc Salvio, pardon, pas Slavio, Salvio c'est un petit peu la même chose. Donc très très grand joueur, très 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 bon, qui ont raté la Coupe d'Europe face à Chelsea. Mais voilà, on l'en revoit pas. Ils ont quasi gagné. Enfin, ce soir va se jouer le titre portugais contre Porto et Benfica. Donc on verra bien qui est champion. Donc là, mon adversaire se réveille un petit peu sur le coup d'envoi. Je sais pas, j'ai un petit coup de mou comme ça. Hop, Balotelli qui va centrer pour Damanovic. Et Damanovic, donc qui est grand et qui a beaucoup en centre, va la pousser au fond. Vous allez voir que le joueur est un petit peu un petit mauvais joueur, mais je vais un petit peu me venger. Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Mais sinon, un très très beau match. Donc là, je me fais rattraper 1-1. On se retrouve à la 13e minute avec Gaëtan, hop, le petit crochet. Gaëtan qui rentre dans la surface, qui tire, qui n'arrive pas à tirer. Puis je fais une passe et bien joué au gardien. Donc là, 21e minute, je très très mauvaise relance. Rossi qui va faire un contrôle orienté. Maintenant, qui va frapper et là, lucarne. Donc rien à dire, il me bat 2-1. Un petit peu un coup de mou dans cette rencontre face à cette équipe qui est très très forte en contre-attaque, puisqu'il y a Balotelli qui centre tout le temps pour Damanovic ou Damdanovic, je sais plus très bien. Et donc là, De Rossi qui fait parler de sa frappe. Donc là, on va avoir Balotelli pour Damanovic. Damanovic qui tire juste à côté. Dommage, j'aurais pu me ramasser un 3-1. Mais non, le corner, Pirlo. Un mec qui est tout seul, je crois que c'est Chiellini. Il est tout seul, il est vraiment tout seul. Je sais pas ce que je fais. Il arrive, il passe une petite tête et sur la latte. Heureusement pour moi, heureusement que je me ramasse pas le 3-1 10 minutes avant la mi-temps. Là, une contre-attaque Balotelli qui fait. Et voilà, ça, bien fait, mec, bien fait. Franchement, il fait une passe devant le gardien alors qu'il aurait pu tirer tout simplement. Il l'aurait mis. Mais là, il veut faire une passe, il veut jouer à la PES. On va jouer à la PES. Et le pire, c'est que là, Balotelli récupère la balle. Donc, il la perd. Mais je vais la reperdre normalement, je crois, si je me souviens pas. Les gameplays datent un petit peu. Voilà, je la repère. Nagatano, là, De Rossi, Balotelli, Damanovic. Et là, il fait encore une passe. Une passe pour Balotelli. Et là, encore, il fait une passe. Heureusement qu'il y a Luizão qui est sur la trajectoire de la balle. Mais ce joueur, il aurait tiré. Avec surtout Balotelli, une frappe en puissance dans un coin opposé, ça aurait été direct bon, quoi. Là. Contre-attaque, Gomez qui fait parler sa vitesse, 83 de vitesse. Gaëtan pour Lavezzi. Lavezzi, crochet pour Gaëtan.
Et là, je fais tourner, j'essaie de placer une attaque, mais je n'y arrive pas du tout. Donc 41e minute, toujours 2-1. Un joueur qui joue un petit peu en PES, mais je vais me venger. Vous inquiétez pas, je vais me venger. Donc là, Micoli, Fabrizio Micoli qui récupère la balle sur le côté gauche, qui va donner un centre pour Balotelli. Heureusement rien. Et là encore Damanovic, je crois qu'il a 0 en reprise de volée, c'est pas possible. Hein. Il a mis 3 fois à 10 km au-dessus. Donc là, renvoi de mon gardien, Balotelli, je récupère avec Luisao, mais coup franc, une faute qui n'existait pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Coup franc qui va pas être très très dangereux si je ne m'abuse, malgré qu'il ait un bon Pirlo dans son équipe. Je crois qu'on va se solder par un 2-1 la mi-temps pour moi. 4 minutes de temps additionnel, je ne crois pas en fait, je sais pas du tout. Là, je vais faire la passe vers la droite. Donc, match très mouvementé. Je n'ai pas mis la caméra aujourd'hui puisque dans les matchs comme ça, je ne peux pas mettre la caméra, donc je ne peux pas me filmer et faire les actions. Malgré que j'aurais pu le faire, j'essayerai pour la finale. Ouais, pour la finale, je ferai. Gomez qui passe à Gaëtan. Gaëtan qui va faire un petit festival offensif, mais qui va pas du tout marcher. Donc je pense que la mi-temps va pas tarder à être sifflé. Donc voilà, mi-temps, ben, pour les deux équipes, hein, 2-1. Donc Slavio pour moi, De Rossi, Damjanovic, voilà, donc en Totti qui joue je crois en Corée ou un truc comme ça. Donc beau match, mais vous allez voir que ça va vraiment s'intensifier dans la deuxième mi-temps et je vais vraiment commencer à me concentrer. Donc je vais vous parler un petit peu, oui, donc la caméra je n'ai pas pu le mettre. Et merci à OnlyFIFA, il y a eu un petit truc sur OnlyFIFA, il s'est passé beaucoup, enfin 4-5 personnes ont critiqué ma vidéo des packs opening, mais je leur ai répondu, ils ont compris, machin, et voilà, ça m'a quand même, il y a eu des contacts avec tout le monde. Là, je fais un petit centre en retrait, et là je marque avec Gomez. Ça franchement, je trouve que c'est une action pure FIFA, c'est pas une passe, c'est vraiment un débordement, une passe en retrait, et là je la place avec Gomez dans le coin opposé. C'est pas un goal de pute, je suis désolé, c'est pas vraiment un goal de pute. Un goal de pute, c'était tout seul devant le gardien, tu fais ta passe et il y a le goal qui est vide. Ça, c'est vraiment un goal bizarre. Donc là, mauvaise, très mauvaise relance, je sais pas ce que je fais. Je tacle. Gaëtan qui va récupérer la balle, qui la repère. Pirlo qui va s'avancer. Bon, je la repère encore une fois. Slavio qui va la passer à Gaëtan. Gaëtan qui va accélérer ce qu'il adore. Là, le joueur vient sur moi, je la place à l'Ibide. Puis, Spour, Lavezzi. Et là, j'espère qu'il rentre dans son but. Mais non, il rentre pas dans son but. Non, non. Petite frayeur pour l'adversaire, mais je commence à bien attaquer. L'Ibide qui va prendre son côté droit. Qui va la passer à Slavio. Lavezzi pour le tir et la... Bouffon, je crois que c'est Bouffon à son goal, je suis pas sûr qu'il met bien son pied. Mais Gomez qui revient, Gomez dans le côté gauche du but. Encore une fois, Gomez, deuxième but dans cette deuxième mi-temps. 67ème minute, je commence à gérer le match, je commence à m'y mettre dessus. Gomez, très bon. Donc, ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai enlevé Lisandro Lopez. Donc, pour ceux qui suivent vraiment ma chaîne, j'ai enlevé Lisandro Lopez en attaque. J'ai mis Gomez, boost. 83 de vitesse, 85 de dribble, donc c'est vraiment magnifique. Slavio qui déborde, Slavio, le petit lob sur le poteau, pas de bol. Pas de bol pour nous les gars, franchement, on aurait pu tuer le match là. Et là, une contre-attaque, Micoli, je ne l'attaque pas, j'ai peur qu'il passe la balle à Balotelli. Micoli qui prend la frappe et qui marque, normal, j'ai envie de dire normal, vraiment normal. J'avais peur, si vous regardez bien l'action, j'avais vraiment peur qu'il fasse une passe à Balotelli, puisque c'est plus un joueur qui fait une passe dans le rectangle. Et voilà, je ne l'attaque pas, donc j'essaye de mettre un deuxième joueur au marquage, et il prend la frappe avant. Donc 3-3 à la 77e minute, centre. 4-3, Micoli, là je me fais complètement déborder. J'aurais pu tuer le match il y a exactement 10 minutes. Et je me fais complètement déborder. Donc après je suis un petit peu un petit peu débordé. Là vous avez magnifique action. Franchement ça c'est un goal pur. Donc là 90e minute. Hors jeu, 90e minute, 1 minute de temps additionnel. J'ai 1 minute, j'ai une attaque pour moi. Donc je fais une passe, j'y vais doucement. Gaëtan qui fait un petit peu des dribbles. Gomez qui va passer à Gaëtan encore, et il fait magnifique 1-2, je ne sais pas si vous avez vu, entre Slavio je pense et Gaëtan, et je marque à la 90e minute les gars, 90e minute je marque, donc on va aller tout droit en prolongations, magnifique, franchement très 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 beau but, très très belle section, et, très très belle session de jeu, et je sauve le match, hein, franchement je sauve le match à 4-4 à la 90e minute, voilà.
Je pouvais pas faire mieux, je pouvais vraiment pas faire mieux. Une action, un but, ça c'est vraiment du pur FIFA comme je l'aime. Donc voilà, 4-4, doublé de Gomez. Je crois qu'il y a un doublé aussi. Non, un Gaëtan et un Slavio. Donc on voit ce magnifique but de mon adversaire que j'apprécie vraiment parce que c'est vraiment une action qu'on verrait dans les vrais matchs FIFA, dans les vrais matchs à la télé et tout ça. Donc le petit pied qui vient, donc j'aime bien. Le joueur qui s'est un petit peu calmé, on dirait. Donc voilà, 97e, 97e de la prolongation, une contre-attaque, la Baïd pour Slavio, Slavio pour Lavezzi, Lavezzi qui va placer une frappe à côté. Voilà, je sais pas comment il a fait pour rater, mais là vous voyez, corner, Danilio, je sais pas ce qui lui arrive, Danilio retourné, Danilio retourné, Danilio retourné, comment il a fait ça? Défenseur droit, il me met une retournée magnifique. Magnifique but de Danilio. Franchement, je crois un des plus beaux buts du tournoi à mon avis. Regardez-moi cette retournée pure. Là, je laisse les trois. Hein. Ralenti, va te faire foutre. J'ai envie de te dire, si tu m'entends, si tu me regardes, va te faire foutre. Je laisse les trois. Donc voilà, magnifique but. 5-4 en prolongation. Je gère le match pour l'instant. Je me concentre un maximum. Je crois qu'on pourra atteindre les demi-finales. Donc là, je remplace en deuxième mi-temps David Luiz et Raphaël. Je les fais monter pour être sûr de ne pas encaisser. Donc l'action qui suit le remplacement. Allez, le centre, donc le centre. Je récupère la balle. Lavezzi qui va accélérer, comme on l'aime. Franchement, Lavezzi, Gomez. Gomez pour Slavio. Salvio, pardon. Salvio qui va placer une frappe. Et Lavezzi qui est là, le petit renard des surfaces argentin du PSG qui est là. Je trouve ça dommage quand même qu'ils n'ont pas enlevé des cheveux. Parce que je préfère sa coupe de maintenant. Bravo PSG champion. Bravo à Manchester United champion, bravo à tout le monde champion. Et nous, on atteint les demi-finales de cette compétition. Donc voilà, très très beau match. Un grand Lavezzi sur la fin de match, un petit peu manquant. Une énorme retournée de Danilio. Donc voilà, je suis désolé pour les deux. J'allais faire en fait toute une vidéo comme ça en action pour la demi-finale et la finale. Homme du match, Slavio. Bon, j'arriverai jamais, hein. J'arriverai jamais, Salvio, Slavio, j'arriverai jamais, c'est pas grave. Donc voilà, je trouve ça dommage que j'ai perdu tous mes demi-finales parce que Lavezzi, écoutez bien, Lavezzi en deux matchs avait marqué 9 buts. Donc je sais pas ce qui se passait. Chaque fois il y avait un côté lent et c'était le côté de Lavezzi et là je débordais et allez, boum. Donc voilà. Après cette vidéo, il y aura 3 vidéos spéciales 200 abonnés. Donc encore une fois, je mets l'intro d'Only FIFA qui m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mes abonnés et sur allez, ma popularité sur YouTube. Donc merci au 47ème, j'ai été voir 47ème sur Only FIFA. Merci à Only FIFA. On se retrouve pour la vidéo spéciale 200 abonnés. C'était Bilo, ciao tout le monde.